Ok, je sais qu'il est tard dans l'année, mais c'est le moment cette année où j'ai recommencé de jouer à Ultimate Team. C'est grâce à Hendrix. Hendrix, si tu regardes ces vidéos, je déteste. C'est ta faute. Et donc voilà mon équipe. On teste tout ça. Voilà. Petite première ligue avec Vardy Pulisic. Vardy qui était un petit peu cheaté contre moi. Donc j'ai essayé de faire le SBC. Je l'ai fait. Et puis il est pas si mal du coup. Donc aujourd'hui, on va faire quelques matchs en Division Rivals. On va commencer tout de suite. Il faut que je fasse 2000 points, donc ça pique un peu. Je veux revenir en rang 1. Essayer d'avoir les 45 000 crédits qui pourront peut-être me donner un Pulisic. Comment on appelle déjà? Rising Star, je pense. Enfin bref, le Pulisic transféré. Et puis on tombe sur une équipe qui est pas très bonne. On va pas se le cacher, elle est pas très bonne. On va voir comment on va faire contre eux. Faire un bon match, de toute manière ça veut rien dire, c'est pas avoir une équipe de merde et puis jouer contre quelqu'un de cheaté en vrai. Donc voilà. Les jeux vont être excellentes aujourd'hui. C'est une nouvelle rencontre que nous allons vivre ensemble avec Pierre Ménès. Ok, what the fuck. Ouais, c'est ça, célèbre Vardy. Je sais pas qu'est-ce qui vient de se passer, pourquoi. Et d'ailleurs, il a quitté. Ok. I guess. Est-ce que j'ai les points pour ça? J'espère que j'ai les points pour ça. Victoire. Ok. Notre technique qui augmente, je suis en div 6. Ah bah voilà, c'était les 590 points. Plus facile que j'ai eu de ma vie. Donc voilà, ça fait plaisir. On va quand même relancer un match parce que ça a été le match le plus court de mon existence. Donc voilà, on va se lancer dans ce match. C'est parti, let's go! Oula! Jolie équipe de première ligue, Rudiger en défense. Aurier, Ederson. 88. Mais les gardiens en jeu là, ça veut rien dire. Tu peux avoir un Courtois 88, il va faire de la merde comme un joueur à 62. Donc voilà, ça veut rien dire de garder dans le jeu. Maîtrise pas le ballon, il le perd. Allez, la défense, c'est bon, ça baillit. Non, ça c'est moins bon. La relance, ok, c'est bon, Mata. On prend notre temps, on prend notre temps, il faut pas presser les choses. Là. Ah, c'est superbe! L'adversaire est cloué sur Le place. gars qu'on est contre, je pense qu'il y a de la difficulté à rester debout. Oh merde, la passe. Juste si la passe aurait passé, Mata aurait marqué, ça c'était sûr. Mais bon. Oh, putain, c'est pas possible. Bon, là on se prend un tout droit dégueulasse de Lucas. C'est Joe Linton en plus qui marque. J'en ai sûr, je comprends rien de ce jeu des fois. Genre Courtois l'a pas arrêté. Courtois, Kepa. C'est l'habitude que Courtois soit dégueulasse. Allez, Masuaku. Pourquoi frappe Masuaku? C'est pas grave. On va faire un corner. De manière, ça rentre des fois. Donc, on prend pas de chance. Allez, Masuaku, c'est beau ça. Un Vardy. Oh, Vardy, comment. Allez, Vardy. Let's go. Let's go, ça rentre. Allez, on égalise. Putain, c'est dégueulasse, par exemple, la frappe qui rentre pareil. Il fait le bacon en plus. Let's go, Vardy. Jamie Vardy. Allez, Pulisic. Bam. Malheureusement, ça a arrêté. J'ai l'impression que c'est juste mes gardiens à moi qui sont dégueulasses. Ils n'arrivent pas à arrêter un ballon, mais quand c'est contre moi, ils sont trop forts. Tac. Tac, Pulisic. Oh, mauvaise passe. Allez, Pulisic. Allez, Pulisic. Bon, allez, on est à la mi-temps. Match nul, mais on va le gagner ce match. Pas question qu'on le perde le match. Et non. Et non, bois. Et non.
Come on. Putain, mais Kepa, t'es une merde, c'est pas possible. Tiens, c'est son joueur le plus pété qui marque. Non, m'expliquer. Voilà, m'expliquer parce que je comprends que quick. Enfin, bref, ça arrive des matchs comme ça, ça arrive que je perde des matchs, ça arrive que je gagne des matchs. Ça arrive à tout le monde. Mais bon, j'aurais peut-être aimé gagner ce match, bon, pas se le cacher. Christian Pulisic. Attention, ça peut être dangereux. Christian Pulisic. Non, Vardy, c'est dommage. Ouais, il est passé Jimmy Vardy. Ah ouais, il se fait défoncer les jambes. Allez, il nous dit un rouge. C'est le rouge, allez. Allez, le rouge. On voit la faute sur cette non, Kupwick. C'est un coup franc. Ok. Il pose. Il a pris la bonne décision. Les minutes qui défilent. Ah ouais, on défile, même quand ça joue pas. Et jusqu'ici, l'arbitre nous dit. Ok, il est juste en train de jouer le temps, plus nice. Allez, casse-toi. Je lui redonne le ballon, nice. Il fait chier. J'ai joué le temps tout le long. Avec son équipe de mort. Allez, Vardy. Juste pour le faire. Oh putain, mais t'as un physique de merde. Ouais, non, c'est mort. Mort de chez mort. Je vais juste me faire perdre mon temps en vrai. Oui, putain. Allez, Kepa prend le ballon là, juste dégage. Là, on est rentré à 5 minutes sur les 3 minutes. Allez, ça dégage. On a perdu 2 à 1, on mérite tellement pas de perdre, mais bon. C'est des injustices comme ça qui arrivent. Et puis voilà, moi j'ai rien à dire là-dessus. Hein. Le gars, il fait des tirs, mais il fait juste tirer genre 6 pieds plus haut. Enfin bref, défaite. Donc voilà, c'est toujours comme ça en fait. Je gagne un match. Bon, le premier match, on peut pas vraiment dire que je l'ai gagné. On m'a le plus donné, la limite. Je gagne un match, je perds un match. Je gagne un match, je perds un match. Et c'est comme ça tout le long. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle va probablement être courte. Parce que je connais pas un peu le... Comment dire ? Le format Ultimate Team. Il va falloir que je m'habitue. Enfin bref, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien tout le monde.